Et nous découvrons maintenant celui qui a remporté donc le cheval d'Arçon, le soviétique Valentin Mogilny. Beaucoup d'aisance. Il est champion du monde, c'est vraiment celui qui a apporté un plus au travail au cheval Arçon, par son style et surtout par la composition de son exercice. C'est celui qui travaille le plus longtemps au cheval Arçon. Son mouvement dure, ça dure habituellement 45 secondes, là il dure, je suis sûr qu'il travaille au moins 1 minute. Et il a une composition, un contenu d'exercice vraiment exceptionnel. Tout y passe dans la composition. Et surtout, il conserve un style parfait. Et la finale, voilà. Et il sort en équilibre avec un changement de face. Ah non, on n'a pas fait aujourd'hui. Voilà, superbe prestation de Valentin Mogilny qui lui permettra donc d'avoir un 9-825 et de remporter haut la main ce concours au cheval d'Arçon. Oui, actuellement des cercles Thomas avec changement de face. Young Pope République.